pour certains bleus, la victoire a eu un goût plus amer. Le milieu de terrain N'Golo Kanté a ainsi soulevé la Coupe du Monde sans avoir le plaisir de lire dans les yeux de son père et de son frère aîné la fierté qu'il y aurait sans nul doute eu. N'Golo Kanté a perdu son père à l'âge de 11 ans, mais le footballeur a également dû vivre la disparition brutale d'un de ses frères aînés il y a quelques mois. Celui-ci a en effet succombé à une crise cardiaque. N'Golo Kanté aura vraisemblablement retrouvé dans l'équipe sélectionnée par Didier Deschamps comme une seconde famille, lui qui est habitué aux fratries nombreuses. Il est en effet issu d'une famille de 9 enfants. Ce dimanche, le milieu de terrain talentueux mais discret médiatiquement est entré dans l'histoire. Porteur de belles valeurs comme le courage et l'humilité, on ne lui trouve qu'un seul vice, il triche aux cartes. À son retour de Russie, il s'est vu acclamé aux côtés de ses coéquipiers sur les Champs-Élysées avant d'être reçu par le président de la République Emmanuel Macron à l'Élysée. Sacré meilleur joueur du championnat d'Angleterre de football, N'Golo Kanté est en tout cas promis à une belle carrière, qui semble ne faire que commencer. Crédit photo, Mauro Peruso Best Image.